Allez. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Comment te dire? Comment te décrire? Une pensée, une réflexion, une idée, une notion. Quand on n'est plus raccord, quand on n'est plus d'accord sur la définition des mots que nous utilisons. Ouais, pourquoi se fatiguer, pourquoi s'évertuer, à comprendre, à expliquer, à tester, à vérifier, quand une sensation, un avis, une opinion a la même valeur qu'une démonstration. Pourquoi relater, pourquoi raconter une histoire, un incident, une anecdote, un événement, quand tout est cavalier, quand tout est complot, wow, 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 quand tout est manœuvre de diversion. Ouais, pourquoi te réciter, pourquoi te susurrer un poème, une chanson, une douce lamentation, quand tout est vrai, quand tout est faux, quand rien n'y fait, quand tout se vaut. Pardon. Alors que tout le monde sait que la terre est carrée et que la lune est creuse, qu'on n'y a jamais foutu le pied, et que la CIA a créé le sida pour tuer JFK et la princesse Diana, et que les Illuminati avec leurs ondes wifi dirige en cachette toute la planète, que les pédosatanistes islamo-sionistes ont tout manigancé pour nous vacciner et nous injecter des puces 5G. Merci Bill Gates pour nous remplacer.